Alors ce projet, Éloquence en cadence, c'est l'idée de réunir des textes de lycéens avec de la musique classique, en l'occurrence une symphonie de Schubert, la symphonie numéro 8, dite inachevée. Durant l'atelier qu'on a fait donné par Denis Bouillard, on a écrit des textes. Il fallait répondre à une question, enfin un sujet, sur ce que c'était l'inachevé. Le terme d'inachevé est très évocateur parce que je pense que c'est très inspirant pour écrire des mots à partir de cette idée d'inachèvement. Souvent quand on écrivait d'ailleurs, on avait la musique en fond pour pouvoir écrire un peu selon la musique, selon ce qu'on ressentait. Et ça aidait vachement parce que c'était une musique qui donnait plein d'idées, plein d'inspirations. Et ils livraient leur texte au bout d'une demi-heure. Et après, on faisait des premiers essais de dire le texte sur la symphonie. Et franchement, faut leur rendre un hommage. Ils ont une facilité d'écriture qui m'a, pour ma part, déconcerté. Depuis des millénaires, le monde reste inachevé. Il change, comme les plantes, les animaux, les humains. Alors, pourquoi l'achever ? Alors pour s'adapter aux contraintes du Covid, on a décidé avec l'OCNA de réduire la symphonie à un 4 mains au piano parce qu'on ne pouvait pas faire venir l'orchestre de 40 musiciens qui fréquentent les lycéens, c'était pas possible. Et finalement, ça s'est avéré une très bonne solution parce que finalement, 4 mains par rapport à une personne qui dit son texte, un poète parleur si je puis dire, c'est plus adapté que 40 musiciens qui jouent. L'éloquence, c'est plus compliqué quand on pose ses mots sur une musique parce qu'il faut laisser la musique parler aussi. C'est comme une conversation qu'on fait suivre et il faut essayer de faire parler ces silences, justement, de laisser la musique les combler. Glisser sur les nuages comme une lampe sur une glace. Voguer sur les cieux comme une barque sur un lac. Je conseillerais aux plus jeunes d'entre nous de faire cet atelier parce que franchement, ça nous permet de nous ouvrir à une culture qu'on n'avait pas souvent l'habitude d'apprendre quand on était plus jeune. Ça m'a permis déjà de mieux m'exprimer et surtout de la confiance aussi. J'espère qu'un jour j'existerai.